Coucou! Alors, tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous préviens tout de suite, je suis en pleine crise allergique. Je me suis réveillée ce matin. Vous voyez, j'ai des boutons partout, partout. Donc, si je suis très, très rouge, c'est normal. Je suis en pleine crise. Voilà. Peut-être que je vais même éternuer. Voilà. Bref. C'est pas le sujet. Le sujet, comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est la Dégustabox. Je viens tout juste de la recevoir. Elle est super lourde. Ah bah, on en a déjà eu le mois dernier. Ça commence bien. Bon, il y en a une qui va être contente parce que je sais qu'elle aime ça. Mais bon, bref. Oh, je vous le donne en mille. Il y a des chips. Non, je crois que je vais commencer à réfléchir, à stopper un peu cette box, hein. Mais pour l'instant, bon. Je la garde quand même un peu parce que je me dis, bon, on sait jamais. Des bonnes surprises, ça peut arriver. Le thème, c'est pique-nique et barbecue. Voilà. Alors, pourquoi... alors, attendez. J'ai des boissons que je n'ai pas... Il n'y a pas dans le... Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Bonbon machin. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de mot d'explication et je vois que j'ai de l'Arizona qui n'est pas dans le truc là, dans le fascicule. Alors peut-être parce que... Oh là là, mais je comprends rien. Bon bref, je vais... Bon, hein. On va pas s'exciter, je vais faire dans l'ordre et on verra à la fin ce qui reste. Donc, nous avons, sans surprise, des chips. Comme dans toutes les box, on a des chips. Voilà, donc ce sont des chips Bretz paysannes, 1,29€. Moi, le goût, c'est naturel, hein, je pense. Hein. Au sel de Guérande. Voilà, ensuite, j'ai une marinade. Tika marinade express. Bon, ça va, il n'y a que un piment parce que nous les trucs qui arrachent, on a un peu de mal. Cuisson facile, alors c'est pour faire une cuisson au four. C'est déjà tout prêt, c'est liquide, hein, c'est pas une poudre. Il faut mettre du poulet ou du saumon, des poivrons rouges, des oignons coupés. Et après, il faut faire quoi? Préchauffer le four, verser la marinade sur le poulet et les légumes. Cuire au four pendant... Oh, ça devrait le faire. Pendant 20 minutes. Et servir avec une salade. Ouais, ça peut le faire. Voilà. Peut-être avec un petit peu de riz pour adoucir à côté. Mais ils disent on peut faire ça avec du poulet ou du saumon. Je pense que nous, on va plutôt faire ça avec du poulet. C'est moins cher. Voilà. Ensuite, alors, dans le truc là... Couden, qu'est-ce que c'est? Branda d'apéro. Ah, c'est pour faire des petites tartines à la morue. À tartiner ou à dipper. Ouais, c'est pas mal. Pardon. Une petite petite terrine pour faire en toast, là c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Maison Couden s'invite à l'apéro avec une spécialité au poisson. À tartiner ou à dipper. Son goût doux, tout doux et sa texture légère et onctueuse sauront séduire vos convives en toute simplicité. Le plus, son verre réutilisable à poser directement sur la table. Un verre? Non, c'est pas un verre. Moi, je bois pas dans des verres comme ça. À la limite, un photophore s'ils veulent, mais pas un verre. Une verrine, mais pas un verre. Ensuite, Ricola, citron vert et thé vert. Un nouveau Ricola, bon ça se glisse dans le sac, ça passe partout. Voilà, ensuite, ah ça c'est bien, pour le petit déj, la dernière fois il nous en avait mis un aussi, c'est le produit du mois. Donc là, oh avec des carottes, orange, carotte, citron, c'est un petit jus comme ça pour le matin, c'est parfait, enfin même pour la journée. Hein. Alors, après 2 années de succès, nanana... Une bouteille par box, bah oui.
Alors, il y avait orange mandarine avec pulpe et orange carotte citron. Bah, ça tombe bien, je préfère celui-ci. Même si j'avais eu l'autre, j'aurais été contente. Ensuite, 4. Ah, bah oui, d'accord, j'ai compris. Donc là, il y a marqué Heineken, des petites bières sans alcool. Il y a marqué 4 canettes par box. Moi, j'en ai 2. Donc voilà, j'en ai 2, mais j'avoue que je préfère. Ah non, il y en a 2 autres là. Ah non, j'ai dit des bêtises, j'ai rien dit. Il y en a 4. Elles sont tellement petites que c'est des petites bières sans alcool, ça passe. Elles sont tellement petites que je les avais même pas vues. Ah, et le truc meilleur, je l'ai même pas eu. J'ai même pas eu le truc meilleur. Bon, ok. Ben, je referai un petit courrier. Ensuite, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Granny Secret. Est-ce que c'est ça? Cette marque propose une gamme de produits gourmets sincèrement. Un délicieux jus 100% fruits. Ah bah ça doit être ça, mais c'est pas grain ici. Je comprends rien leur truc. Alors, Sipsap. Moi j'ai ça. Eau de bouleau bio à la rhubarbe. Moi j'ai ça alors qu'il y avait marqué un produit Granny Secret. Même pas délicieux. De délicieux jus 100% fruits, divers tartinables, sucrés et le célèbre ajvar caviar de poivron rouge typique de la région. Alors là, je ne comprends absolument rien. J'ai ça. Voilà, bon. Ok. Ouh là là, on va pas s'étouffer. Hein. Une barre Nature Valais. Voilà, chocolat noir et mélange de noix. Bon, les produits dans l'ensemble, c'est pas trop mal, mais par rapport à ça, je suis perdue. Alors, un cidre, bon, ça c'est pas mal. Cidre bio, Segora. Voilà, une grande bouteille de cidre. Bon, j'aurais préféré avoir la Pink Lady, je vous avoue, mais j'ai eu l'autre, Segora, je sais pas, bio. Enfin bio, moi perso bio. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même. C'est bien, c'est bien. On va pas faire la grosse ronchon. C'est peut-être mes allergies qui font que je suis un petit peu ronchon. Voilà, et en théorie, j'ai regardé partout, il n'y a pas. Nous avions un pot de pâte à tartiner Novi, comme ça. Que je n'ai pas eu. Mais j'ai deux Arizona. Je ne comprends absolument pas cette box. Enfin, je ne comprends surtout pas le menu. Voilà, ça, c'est pas dans le menu. Eau de bouleau. Voilà, ça, c'est pas dans le menu. Et ça, c'est pas dans le menu. Mais, dans le menu, normalement, il y avait une chose comme ceci, dont il n'y a même pas la photo. Et il y avait ça. Voilà. Donc, sans vous mentir, ma box là, il me reste à avoir 15 points pour en avoir une gratuite. Je vais aller jusqu'aux 15 points et je pense que je vais arrêter. Hein. On verra le mois prochain ce que ça va donner, mais moi j'ai fait le tour, je pense que je vais arrêter. Voilà. Même là, ils mettent des produits de remplacement, ils ne nous les expliquent même pas. Enfin c'est pas très sérieux, enfin je sais pas, c'est pas très clair. Voilà, moi je vous dis en toute franchise hein, je suis mes box que j'aime ou que j'aime pas, je vais vous le dire. De toute façon je les ai pas, c'est pas eux qui me les offrent gratuitement, et de toute façon même si c'était le cas je vous aurais dit la même chose. Donc voilà, je ne comprends qu'à moitié cette box. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc il y a des petites recettes sympas hein, par contre, voilà, que je ne fais jamais, hein, mais, mais voilà. Hop, et on va essayer de comprendre. Donc là, Ricola, ouais super, une grande feuille Ricola.
Et il y avait une autre feuille. Pour la box bio, bah non, mais non, la box bio, moi je ne la prendrai pas. Hein, non, merci. Et une pub pour la pâte à tartiner Coudaine. Voilà. Bon, bah, ça c'est fait. Hein. On va les ranger dans les placards. Je vous donne quand même mon code promo si ça vous tente. Parce que bon, les produits sont quand même pas dégueux. Mais je vous dis par rapport. Moi, c'est surtout par rapport au menu. Voilà, je vois pas. Je vois pas pourquoi j'ai ceci puis pas cela, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Et bah dites-moi ce que vous en pensez de cette box de ce mois-ci. Mais dans l'ensemble, les produits sont pas trop mal. Pour le prix de la box, franchement, c'est pas trop mal. C'est super sympa. Ah, j'ai compris. C'est ça leur cadeau. Elle est là, la pâte à tartiner que je cherchais. Ah oui, ah bah alors là, oui, bravo. Bah oui, je pouvais toujours chercher, hein. Une dosette, voilà, bah Coco, faut lire les petites lignes. Non mais eux, ils mettent ça en photo. Moi, je cherche le pot dans la box, en cadeau. Oh bah merci du cadeau, c'est vraiment très gentil, hein, vraiment. Je pense pas que je vais m'étouffer avec ça, hein. Bref, no comment. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Probablement le mois prochain pour une nouvelle box que, bah non, je pense que je vais la stopper puisque je serai en vacances. Ah oui, il va falloir que je l'arrête. Je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à bientôt, bah, dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!